On a l'amour. Là-bas. Nous on veut. Allons ensemble. C'est un vrai plaisir. Ouais. Salut, moi aussi. On a eu le plaisir de se rencontrer en 2011 alors que tu venais jouer au festival Quand je pense à Fernande, au Théâtre de la Mer de Sète. Tu m'avais confié que ta chanson, non, tu m'avais confié que Brassens, c'était pas un truc qui t'avait éclaté plus que ça quand t'étais petite, mais en tous les cas, ta chanson préférée et une chanson que tu adorais, c'était Je me suis fait tout petit. Je me suis tout petit. C'est toujours le cas parce que tu la chantes. En fait, c'est que je connaissais pas bien Brassens, c'est-à-dire moi j'ai découvert la chanson française sur le très tard en fait. Et après, quand j'ai découvert, bah évidemment que j'ai découvert du Brassens, du Nougaro, tous les grands quoi. Et Brassens, il y a quand même des textes super, super bien écrits et puis beaucoup d'humour, voilà, avec des mélodies qui tressent bien et voilà. Au début de l'histoire, Isabelle, il y a eu le solfège, le conservatoire, il y a eu une formation, il y a eu les orchestres de variété du côté de Bayonne aussi. Ouais, du Baluche, ouais. Et puis après, il y a eu la grande aventure à partir de 2009-2010. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, j'ai fait beaucoup de choses, je suis même partie, j'avais rencontré le directeur de l'Alliance française, je sortais d'un cabaret, il m'a dit tu vas aller en Russie à Vladivostok toute seule. J'ai fait non, je ne veux pas y aller toute seule. Et je venais de rencontrer un pianiste avec qui je jouais là, et je dis tu veux venir avec moi en Russie. Le mec il me propose d'aller faire une tournée de 10 dates. Donc on s'est renseigné quand même sur lui, donc c'était un vrai mec, hein, c'était Cédric Gras. Et du coup on est parti en plein mois de décembre à Vladivostok et après tout le mois d'avril. Donc j'ai fait énormément de choses quoi, la vie m'a amené à rencontrer des gens et à faire plein de styles différents et plein d'expériences très différentes. Aussi un grand moment au Fujirock Festival au Japon. Oh, il y en a eu plein, ouais. Au Chili, ouais. Aussi. Fujirock, j'étais pas encore connue non plus. J'avais reçu sur MySpace, j'avais reçu un message en anglais qui me disait on est une boîte anglaise, on est producteur, est-ce que tu veux aller faire de la chanson française et chanter tes chansons. J'avais quelques chansons. J'étais en train de faire j'avais quelques chansons du disque. Et on est parti pareil au Fujirock. Je me suis retrouvée dans l'ascenseur à côté de Patti Smith, à checker un mec de merde, comment il s'appelle, de Public Enemy. Enfin, c'était complètement, ce festival était complètement surréaliste, quoi. Alors, tu parles de Patti Smith ou Public Enemy, mais il y a quelqu'un dont tu peux parler aussi, c'est le chanteur de Rammstein. Ouais, Till. Bah ouais, il m'a proposé de faire un duo, j'ai tout de suite dit oui. Enfin, c'était. Enfin, j'adore la chanson, c'est complètement. En fait, ça semble fou et en même temps, on se ressemble pas mal sur plein de choses, donc c'est pas si fou que ça. Là, Zaz, ce soir, tu vas jouer devant une cathédrale dans une des plus belles, dans une des plus vieilles, et plus belles aussi, ouais, mais des plus très, vieilles très, villes très beau, de, hein. De France, sur une scène flottante, ça oui. Te fait quoi? Bah, j'ai déjà joué sur une scène flottante en Italie. D'ailleurs, on avait dû stopper le concert vers la fin parce qu'il y a eu des éclairs, des orages, mais c'était hyper beau, mais c'était hyper flippant. Mais c'était une super expérience parce que c'était rigolo, quoi. De toute façon, c'est toujours les histoires, tu sais, on se rappelle toujours des trucs un peu. Voilà, ça te marque, quoi. Mais c'est beau, hein. C'est marrant d'être au milieu de l'élément eau, quoi. Alors, on va mettre le feu. Zaz, la vie, c'est toujours de l'amour, de la joie et de la bonne humeur? Bah, pas que, mais oui, en partie, ouais. J'essaye en tout cas de prendre ce qui vient et de pas de moins contrôler, d'être moins dans le, tu vois, de me laisser plus traverser par la vie. Elle est faite de plein de choses et quand on choisit la vie, on prend tout, quoi. Et de chanter. Ouais. Merci Isa. Bah, c'est moi qui te remercie. S'il vous plaît, au clavier, David Adjage. Au guitare, Ménat Galine. Au guitare, Guillaume Juvel.
contrebasse et à la basse, Salim Mbappé. Et à la batterie, Gianni Rogan. Merci à vous. Oh.